Salut à tous, c'est Mélan sur Magic Arena FR. Comment ça va, Fou? Ça va très très bien et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui, petite decklist mono vert qui a rossé un tournoi dont j'ai oublié le nom déjà. Le CFB Pro Showdown. Ah. C'est le plus gros tournoi actuellement qui a été recensé en termes de joueurs. Il y avait 250 participants et c'est Rint, le fameux habitué de mono vert, qui a rossé tout le monde. Il a fini premier du top 8 avec cette decklist mono vert qu'on va vous présenter parce que ça fait des ravages en ce moment et sur le ladder et en tournoi. Exact, ça marche très bien, c'est plutôt novateur, même si mono vert on sait ce que ça fait déjà, mais ouais. C'était pas vraiment on est sur une version aboutie là. Ouais, c'est une version aboutie, c'est un peu la quintessence de mono vert, peut-être à quelques cartes près qui risquent de bouger en fonction de la méta, mais c'est quand même plutôt très solide. Et d'ailleurs, les deux finalistes jouaient cette version. Ouais. Enfin, ouais. Peut-être pas la même version, mais en tout cas, jouaient mono vert. Ouais, ça diffère de quelques cartes. Mais vraiment, c'est très, 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 très proche. Très, très close. Avant de commencer la vidéo, du coup, comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, il y a la petite page YouTube dans la description. Vous pouvez regarder une petite vidéo de quelques secondes gratuitement et ça nous soutient. Merci beaucoup à ceux qui le font. Sinon, il y a le site, le code, ValetPL 2020 sur le site Magic Bazaar, notre sponsor. Merci beaucoup à eux. Qui, du coup, nous permet de vous faire profiter de 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande quand vous utilisez le code. Les points de fidélité, ça marche de la manière suivante. 1€ dépensé égale 1 point. Du coup, avec notre code fidélité, 1€ dépensé égale 1,5 point lors de votre commande où vous utilisez le code. Et ça vous donne à terme 5€ en bon achat à voilà, sur toute la boutique à partir de 150 points de fidélité. Donc ça régale. Merci beaucoup à tous ceux qui l'utilisent. Merci beaucoup. Qui utiliseront code créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Game Store. Voyons. Du coup, c'est decklist qui régale. Ah, avant d'ailleurs, parce que les gens le disent en commentaire, on l'avait dit que ça allait revenir, etc. Oui. Pour l'overlay de présentation de deck. Bon, déjà, il y a ça maintenant. On peut vous montrer bien plus facilement la decklist. C'est plus joli, c'est plus agréable. Plutôt que ça où les cartes sont un petit peu mangées, voilà, c'est un peu chiant. Et pourquoi on n'a pas encore l'overlay? Parce qu'en fait, du coup, comme il y a ça maintenant, et ça, c'est quelque chose que j'attendais pour pouvoir faire un overlay plus quali. Et bah du coup je dois refaire l'overlay, recalibrer tout ça, etc. Du coup ça va me prendre un petit peu de temps, mais une fois que ce sera fait, ça va revenir, vous inquiétez pas. On n'avait pas envie d'utiliser l'ancien, sachant que maintenant on a une nouvelle fonctionnalité qui nous permet de faire des trucs cool. Donc ça reviendra, vous inquiétez pas. Yes. Dès que j'aurai calibré le truc, dans l'été, on va se faire plaisir. Complètement, cette petite decklist, ça raconte quoi là? Parle-nous-en, vas-y, je te laisse la souris. Une petite decklist assez vénère qu'on rencontre pas mal sur le ladder. Ouh, j'ai failli me casser la gueule sec. Quand le coude est en appui et que l'appui part comme ça. Bref, on est parti sur une decklist donc du coup très agressive qui joue quand même beaucoup d'early drop, donc des drops des créatures de début de partie avec ce Pell Collector et ce Stone Cold Serpent. Le Stone Cold Serpent qui est quand même une très très bonne carte parce que déjà en fait c'est une carte qui est vraiment puissante dans le méta, ça bloque les Uro, ça ne se fait pas bouncer par Teferi, c'est vraiment une plaie pour certains decks. Ça, la reach, donc la portée, ça permet de bloquer les Brazen Borrower en vol. Enfin, la plupart des gens qui vont jouer des decks ramp ou des decks mid-ramp, entre guillemets, eh ben, ils sont un petit peu bloqués par ce Stone Cold Serpent qui se fait pas exiler par Ugin. Donc c'est vraiment une super carte et en plus, c'est un support à la mutation du Gem Riser qui fait généralement des tours assez vénères. Genre typiquement, vous faites tour 1 Pell Collector, tour 2 Stone Cold Serpent, tour 3 Gem Riser. Vous avez une sortie d'une véhémence assez extrême, assez exceptionnelle. Alors que vous avez joué que 3 cartes. C'est un deck qui se curve, qui veut faire très très mal à l'adversaire. On précise que la decklist exceptionnellement est en anglais à cause en ce moment des soucis sur Magic Arena. Voilà, ils n'arrivent pas à patcher les crashs sur la version française. Si vous avez des crashs chez vous et que vous n'êtes pas encore au courant, suivez-nous sur les réseaux déjà parce qu'on en a parlé. Et au-delà de ça, jouez en anglais, vous aurez moins de problèmes de crash, voire pas du tout. On attend le patch correctif pour qu'on puisse repasser à la version française. Donc exceptionnellement, les 2-3 vidéos qui vont sortir là à la suite seront en anglais. Mais bon, nous, si on a les noms en français, on pensera à vous les rappeler. Exactement. Ce Crawl Harpooner, dont j'ai perdu le nom en français, sert d'interaction en fait pour aller attraper les créatures volantes. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de bonnes bêtes volantes là dans le format. On a vu, fly même. Voilà, les decks fly. Il y a les EZ Spell qui ont des decks créatures. Il y a le deck de Gabriel Nassif qu'on appelle U-Wipe. Ils ont des decks créatures. Bah, c'est du deck créature, ouais. Ils ont des créatures dans le deck plutôt. Des créatures fly, du coup. Ils ont des créatures fly dans le deck, exactement. Donc voilà, ce Crawl Harpooner qui fait le travail et qui, au-delà de ça, est juste un tour 2 agressif qui va mettre la pression. Le Scavenging Ooze, qui est super intéressant parce qu'il permet de dire non aux Uro, qui sont quand même des bloqueurs un peu compliqués à passer quand on joue aggro. Et puis au-delà de ça, ça permet aussi de mettre à mal ceux qui voudraient jouer des faire revenir des cartes de leur cimetière avec Elspeth Conqueror la mort, le fameux enchantement à 5 blanc. Donc ce Scavenging Goose qui est à la fois une carte d'agression et de disruption. Donc ça fait super plaisir dans ce... Ça s'appelle comment en français? Limon pourrissant, un truc comme ça. Limon nécrophage? Nécrophage, exactement. Et il ne faut pas confondre avec le limon nécrotique, qui est une carte à combo en duel commander.
Barkid Troll, dont je n'ai pas le nom en français malheureusement, mais c'est pas grave, ça dure que 3 vidéos, vous inquiétez pas. C'est un 2-2 pour 2 qui arrive sur le champ de bataille avec un counter plus 1 sur lui. Il y a quand même pas mal de synergie marqueur, c'est assez rigolo. Ça rend les actes cruels de vos adversaires nul à yesh, et ça c'est très bien quand même. Et voilà, donc il gagne l'exproof, pareil, c'est juste un tour 2 agressif. Troll pot d'écorce, je crois. Le troll pot d'écorce, c'est pas très important. En vrai, on va faire 3 vidéos. Je show off, parce que je connais les cartes. Cette bête frappée d'amour et ce Yorvo, bah, pour la curve, pour mettre des points. Ça en plus, contre les match-up agressifs, c'est un super bloquant. Yorvo, ça devient vite très très gros. Une des cartes les plus puissantes du pack, c'est cette Vivienne. Quand vous êtes sur le play, c'est-à-dire que vous avez commencé la partie, que vous pouvez la curver tour 4. Je dis pas que c'est la win assurée, mais pas loin. C'est vraiment extrêmement puissant. On a cette Questing Beast ici aussi qui fait extrêmement mal, qui synergise plutôt bien avec le Garouk qui est en side, on y viendra tout à l'heure. Parce qu'avoir une 7-7 Death Touch pétinement, ça fait quand même des trous. Le Gem Razor, voilà, qui vient disrupter les jeux enchantement artefact, mais qui en plus se mute très très bien sur ces cartes-là. Parce que quand vous mutez, la créature garde les compteurs. Comme il y a beaucoup de bêtes avec des compteurs, bah, vous faites des très très grosses bêtes. Et puis voilà, le Great Henge, c'est pour la value. Le Garambring pour pouvoir avoir pas mal de mana et notamment caster le Great Henge. Bah, vraiment, c'est un deck qui s'embrique bien, qui synergise bien, qui est aggro, qui tape fort. Il manque que des Embercleave à ce deck-là pour être le meilleur deck du format, je pense. Et justement, ouais, on va proposer une version alternative. Non, non, parce qu'on n'a pas la mana base. Plaignez-vous à Wizard, hein. C'est pas de notre faute. Mais c'est bon, ils ont édité les temples. Trop bien, génial. Bah du coup, mettez 4 temples, 4 montagnes, Umbercleave. Nickel. This is the deck. Les Ramfrou, j'ai pas le nom non plus. Vous fightez des bêtes, vous mettez des points quand vous avez le piétinement. Carte extrêmement puissante. C'est même plus que fighter en fait. Vous infligez votre force à une créature. Et si en plus elle a le piétinement, vous allez littéralement mettre des points à l'adversaire. Ouais. Moi je suis mort plein de fois. Plein de fois juste sur cette carte. Donc très puissante pour les match-up interactifs. On dirait un espèce de gros blast rouge, mais c'est une carte verte. Ouais, et c'est vrai que dans ce deck là, ça devient un gros blast quoi. Donc, parce que t'as les grosses bêtes, donc vraiment puissant. Ce Garuk qui est vraiment pas mal, qui permet d'avoir un peu de board et d'aller mettre des points à distance. Je pense qu'il est bien contre les jeux rampes justement qui ont des interactions contre les créatures. Ça diversifie votre plan de jeu après side et ça le rend plus résilient aux créatures. Des Gem Razor en plus pour casser les fire qui sont bannis, faux, pour casser bah, toutes les créatures artefacts. Les couilles. Et, ouais, juste casser les couilles en fait, littéralement. Shifting Ceratops, tes murs réclamations et tes problèmes, je vous fais peine des seins. Voilà. Simic Flash, petit malin qui s'amuse avec aussi. Simic Flash. Après, le problème dans Simic Flash, c'est que tu prends un peu facial le Night Pack Embouchure. Cela dit, on rentrera quand même ce Shifting Ceratops, hein, ça c'est clair et net. Mais bon, c'est pas auto-win, attention. Non. Un Great Henge de plus pour la value et les Primal Might que j'ai bien envie de tester. Cette carte a l'air quand même très puissante. Hein. Ah, j'adore la carte, moi. Un fight de le plus. Design est vraiment, vraiment propre. Ouais, c'est un fight de plus. Je pense que c'est un peu en dessous de Ramfrou, mais que ça ou doit c'est être. C'est un tricks, enfin pas un tricks de combat, mais un pump spell. Un pump spell qui met des points. Quoi. Donc voilà, on va partir en ladder et tester ça. Est-ce que tu peux juste montrer le Garouk une seconde? Ouais. J'ai l'impression que l'artwork est genre élargi. Tu vois ce que je veux dire? Genre il a été déformé, il a été. Il a juste peut-être un peu plus poussé à la salle. Ce il est peut-être là. Juste plus solide. Il mais moi je l'ai connu légèrement plus fit. C'est pour ça que j'avais l'impression qu'il était plus. Bep. Mais on mange bien dans la forêt. Hein. Et c'est là où on trouve la nourriture, de toute façon, la forêt. On mange bien dans la forêt. Bah, disons que s'il mange les buffles qu'il crée. T'imagines? On est pas mal. Crée un buffle. Et il te fait, mange. Attends. Viens là, le buffle. Viens à toi. Pouf, coup de hache. bon, ce buffle. Il a résolu la fin dans le monde. Ah bah, il crée, il mange. Bon, il a résolu, ouais. Il a résolu. Il y a des mots. Il a résolvé. Tu parles bien français et t'as l'impression que pas du tout. Résolu. Résolu. Ah, c'est équipe ça. Ah, c'est bien ça. On va piocher quelques forêts supplémentaires, on sera nickel. Quand on joue nos cartes dans la curve, on se plaint pas. On s'en fout. Dans la curve, on récapépète, hein, c'est jouer un tour 1 au tour 1, tour 2 au tour 2, utiliser tout votre mana. Oh. Un mirror. Mirror. Vous avez dit que le deck pullulait. Pullulait. Pullulait, ça rime avec puer. Ah oui. Voilà. Mais donc ce troll pot d'écorce. C'est moi l'agresseur. Hein. S'il a un autre Love Struck Beast, la tienne attaquera pas la CNC. Ah ouais, mais bon, si j'ai un autre Love Truck Beast... Est-ce que tu veux mettre vraiment un point, là? Ben franchement, ouais, j'aurais été chaud pour trade, parce que du coup, ça Love Truck Beast, là, elle bloque... Tout? Ouais, c'est un peu chiant. Ouais, mais du coup, si lui, il peut attaquer et... Ah ben nous, on bloquera avec notre Love Truck Beast. Ouais, je sais pas, je suis sur le play, pour moi, c'est moi l'agresseur, en fait. Ah ouais, ouais c'est pas, moi, l'agression, c'est... si elle est pertinente, je te le conçois, mais... Bah, t'étais pertinente. Mais dans tous les cas, on trade, tu vois. Et c'est... Ah ouais, mais on connaît notre nom, on connaît pas... Oh. Variantes. Oh, ouais. Lui, il a des temples et des Embercleave. On peut Gem Razor, ce troll pot d'écorce, mais bon.
C'est pas fou, incroyable. On peut juste re-troll pot d'écorce. Proposer aussi 3 points et 3 points et un autre troll pot d'écorce. Ou Love Song Beast, en fait, c'est encore mieux. Comme ça, on garde la surprise. Je pense que t'avais pas envie de prendre 3 points. Enfin, t'avais pas envie de trade, pardon. Petite question pour les commentaires. Est-ce que lorsqu'on réfléchit à des plays et qu'on ne considère le plus évident qu'à la fin, vous êtes en train de vous dire « mais non, il faut pas faire ça !» Et à la fin, vous faites « ah, c'est bon ». Ou est-ce que vous dites juste pas mal, là. Oh, il considère, c'est bien. Oh, solide. Bon, on va attaquer à la Love Truck. Oui. Si on gemme Razor, on a un 5-5 là. 5-5. Du coup, on peut attaquer avec 2-5-5. Écoute, je vais pas m'emmerder, je crois. On a une 4-4 qui a un marqueur et qui a toujours son effet en plus. Ouais, vas-y. Vas-y donc. Fais-toi donc plaisir. Ah, je me fais donc plaisir là. On a un intérêt. Voilà. Ah, bah oui, sinon elle est pas 5-5. Oui, effectivement, putain. Léger intérêt de respecter vraiment, notre propre stratégie. Mais tout léger, tu vois. Pas très gros comme intérêt. On pouvait se dire. On parle d'upgrade c'est là. C'est pas fou quoi. On retire un marqueur en réponse, comme ça il garde sa Love Truck Beast. Ça a l'air bien. Mais du coup, on garde notre Gem Razor ? Non. Gem Razor ? Terrasseur de gemmes ? Tu sais qu'est-ce qui va faire la diff dans ce match-up ? Lui, c'est son number cleave. Non, lui, c'est son number cleave et nous, c'est le Gretenge. Ouais, ou Vivienne ? Gretenge Stenberg. Vivienne peut faire le taf aussi. C'est. Je l'ai. Ouais, c'est marrant. Vois, c'est bien. Ah, c'est marrant, ouais. Alors. Bah, c'est fin. Ouais, c'est fin, ouais. Nos blocs, on prend 6. C'est chiant quand même. Parce qu'on peut aussi double bloc et juste bloquer Questing. Ouais, mais tu proposeras pas de phase d'attaque avec ta Love Struck Beast. Alors que le tour d'après, tu peux attaquer avec Love Struck Beast et reposer Love Struck Beast. Ouais. Ouais, ok. Ok, on va prendre cette ligne alors. Parce que là, il va juste trade. Hein. Ouais, mais c'est ok. Parce que ça, avec Amber Cliff, c'est pas possible. Hein. Attaque donc. Take down. Parce que s'il veut faire la course, ça veut dire qu'il est en Berkeley. Hmm. Bon, tu sais, les joueurs de Grul, je me méfie. Y'a pas. Mange pas de pain, passer par Yorvo au préalable. Yorvo sera plus puissant, ouais, puisque de toute façon, tu mettras 5 points dans tous les cas. Ça sera plus puissant à terme. Solide. Ouais, bah ça permet ça bloque Questing Beast ou pareil. Ça permet de le pumper, quoi. Après, comment il a de Questing Beast ? Il a joué 3 cartes. Oui, bah après nous on en a joué combien nous ? 3, 4, 5, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ! Solide. Oh, c'est bon de bête ça. On n'a pas de Gem Razor pour aller casser son Stone Coil. Du coup, je pense qu'on va à Love Struck. Ah non. Ça prend un marqueur quand, Yorvo ? Dès que tu joues une bête. Ah, tu peux faire double bête, ouais, 6-6 go. Ouais, double bête, 6-6 face, ouais. Vas-y donc. Vas-on dit. Ça, je vais le garder au cas où il joue des, tu sais, des terreurs des piques ou des... Ah mais non, mais si tu mettais Love Struck... Ah non, il prenait qu'un marqueur. Ouais, même. Il fallait que ce soit plus fort. Si double bloc, on va tuer Stone Coil et derrière on a un board. Mais ouais, lui, il va jouer des terreurs des piques ou des Skargan Hellkite. Du coup, il faut garder ce dernier power crawl. Phase d'attaque. Je te défie. Bloc. Oh bah, il y va. Stone Crawl. Ouais. Là, c'est qui aura le board en dernier, quoi. Bah ouais, qui aura son payoff, quoi. Je te dis, nous, c'est Vivienne et Gritenge, et lui, c'est... Et lui, c'est Amber Cleave. Ouais. Encore que là, Amber Cleave nous fait pas trop peur. Ça, c'est chiant. Après, il peut pas attaquer. Il va quand même jouer un 4-3 et... Ah non. Ça lui permet de pumper deux fois Pell Collector. C'est pas idiot. Vu qu'il a ça, ça se discute. Ouais, tue comme ça, il pourra pas jouer le. Parce que là, sinon il pourra jouer Stone Call. Il va nous faire un énorme Stone Call, quoi. Ouais. Ouais, c'est bien comme ça. Ça fait chier parce que du coup, on peut plus attaquer à la Love Struck, mais j'ai pas envie de prendre un Stone Call à X égale. Dans tous les cas, on n'aurait pas pu attaquer puisqu'il aurait eu une 6-6 ouais. Ou une 7-7. X égale 6, quoi. Bah, joue-le. Donc là, il va la jouer à 1, sinon il ne peut plus la jouer. À moins qu'il espère top deck. Ce qui serait coquin, ce qui serait taquin. Love Struck Go. Je crois que je peux 3 prendre. Points. En fait, je pense qu'on peut prendre double trade parce que lui, il a un jeu qui nécessite d'avoir des créatures avec Amber Cliff. Donc, je suis ok sur cette attaque-là. Phase d'attaque et Love Struck Beast.
Je pense qu'il va prendre 3 là. Il est où le Gretenge qui nous fait gagner un stand là? Où qu'il est comme? Bordel! Bordel à cul, comme on dit. Bone Crusher? Après, son deck, quand il n'y a pas de problème de mana, effectivement, il a juste un peu plus de polyvalence quoi. Oui. Pas censé arriver quoi. Bonne carte. Ouais, il a tous pioché quoi. Comment ça me bander ça? Passe. Ah, on peut attaquer au Backtide. Ouais, je suis, attaque à la. Attaque à la Backtide. Barkida. On lui fait un Backtide George Rivers. Technique de football américain. Ah ouais? Non, c'est Backside. Je me suis dit, ça a vraiment l'air d'être une technique. Ah bah, c'en est une. C'est juste que. On a modifié les mots. C'en est une, c'est juste que c'est une autre technique. C'en est une autre. En fait, on attend qu'il ait Umbercleave pour nous tuer, c'est ça? Bah, c'est qui pioche un truc bien. Là, il a Umbercleave, donc. Donc, on prend. On va prendre 10. Bah, tu peux tenter le bloquer avec le Barkhide au cas où il bluffe. Comme ça, tu gardes le Struck Beast. Il bluffe là? Ou tu. Ah non, mais bloque avec les deux, tu le tues, non? S'il met 5 à l'off Struck. Ah non, il sera à 5-4, non, non. Putain. Ouais, ouais, on se fait défoncer si on fait ça. Soit tu donnes Barkhide Troll. Ah, mais là, il a obviously Umbercleave, non? Alors, c'est. Je crois en fait, pas du tu, tout. Tu veux prendre 10 et derrière tu peux mettre que 3 parce que tu peux pas attaquer avec ta 5-5. Ah bah bien sûr, mais je veux dire, on prend 7 et on a une bête de moins donc ça revient au même quoi. Genre en fait, il fait pas un bluff là sur le fait qu'il puisse en prendre. Bah imagine, il bluffe et il met 4. Alors dans ce cas, je bloque avec Love Struck alors dans ce cas là. En fait, si jamais il est en Umbercleave, tu perds Love Struck. Ouais, ouais. Alors que là, avec Barkhide Troll, tu le perds aussi. Sauf que dans tous les en cas, fait, tu le en fait, pour moi, il bluffe pas. Et si jamais on pense qu'il bluffe, il faut aller dans le play le plus puissant dans ce cas-là. Bah, vas-y. Bah, pour moi, il faut pas bloquer parce qu'il a Umbercleave. Ah, bah alors, bloque pas. C'est où on pense qu'il a pas Umbercleave et dans ce cas-là, tu vois, on fait pas le play du milieu quoi. Le play du milieu, il est trop. Bah, c'était pas le play du milieu pour il moi. Est, il c'était est cute, si jamais t'as rien, bah on t'a trade. Si jamais t'as quelque chose. Il joue des Gritenge. Hein. Si jamais t'as quelque chose, bah, on a perdu la 3-3 et pas la 5-5. Oui, mais enfin, si l'Umbercleave et qu'il mange notre 3-3, on a quand même perdu, tu vois. Et bah, de toute façon, si l'Umbercleave, on avait perdu. On a moins perdu si on garde notre 3-3 et qu'on prend 10. C'est ça que je veux dire. D'accord. Bon. Tant pis, je de la merde. On va pas la gagner cette game. Bah, là, en fin de tour. Hein. Ou 3 points. Si 3 tu veux points. Pas double bloc sur une Umbercleave, tu peux être 3 points. Non, je pense que si l'Umbercleave, il a Umbercleave quoi. Parce que là, maintenant, mais à mon avis, il a encore Umbercleave et il l'aurait joué si on prenait un trade et là il a préféré jouer Ah, peut-être qu'il avait les deux, ouais. Il est moi, bon. Je pense qu'il a une Umbercleave encore. Du coup, il faut peut-être jouer ça et accepter de perdre s'il a une Umbercleave. Si tu mets ça, tu peux jump et survivre. Je crois que c'est important. Ça marche bien avec Vivienne, Crawler Pounder, pour tuer des créatures. Ouais. Tu vas tuer des grosses bêtes. Ok, scavenging. Ah, il a tapé son mana à la main. Regardez ses deux rouges. Oh ouais, non, mais je pense que là, sur l'attaque d'avant, il peut pas prendre le risque de faire cette attaque sans avoir Umbercleave, quoi. Je vais lui donner Harponneur, du coup. Pour ne pas mourir. Dieu de la chatte, il a quand même bien pioché. Hein. Ouais, putain. Il a quand même très très bien pioché. On pouvait pas le battre, désolé. À tout donner. On a pioché comme de la merde, nous. Ouais, en vrai, on a eu un plan de jeu. Hein. C'est juste qu'il a eu un meilleur plan que nous, quoi. Donc, il a pas eu à subir ses problèmes de mana. Du coup, il avait juste plus de polyvalence. Genre, Bone Crusher, c'est trop bien dans le match-up. Pourquoi il fait ça? Pour montrer qu'il peut faire des trucs. Ouais. Et 5 points. On regarde ce qu'on pioche. Et c'est la concession. Pioché, encore de la merde. C'est non, mais en vrai, on a joué à Magic. Hein. C'est juste qu'il a été plus fort que nous. Quoi. Ouais, après, on a pioché que nos drops 1 et 2, quoi, quasiment. Great Ange. C'est pas bien contre le Garouk? Non, c'est plus pour avoir des réponses diversifiées. Je pense que dans les match-up aggro, justement, les Planeswalkers, ils survivent mal. Quoi. Ouais. Du coup, on n'a pas vu de Bat Flying. Ouais, tu peux virer toutes les housses, ça sert à rien. C'est pas très bien, mais c'est vrai que ça reste au moins de la pression.
Peut-être que ça, on n'en veut pas autant. On est sur le play, donc on peut garder quelques Vivienne. Mais pas trop non plus. Ça, c'est très important. Bis, c'est cool. Donc, faut que t'aies un peu dans les Vivienne quand même, dans les match-up aggro. Tu rentres le Great Henge? Ouais, je pense que c'est ce qui fait gagner dans ces mirrors-là. Est-ce qu'on a le temps? Parce que lui, si c'est bête tour 2, tour 3, tour 4 en Murkleave... On a le même plan de jeu. On a le même plan de jeu, donc il nous faut justement ces cartes top-end qui font gagner, quoi. Ces cartes de fin de partie qui vont nous faire prendre le temps quand on échange plein de ressources. Crawl, tu peux en virer peut-être 2. Ouais, mais après, on a plus de tour 2, c'est ça qui m'embête un peu. Peut-être que c'est Primal Might qui a rien à faire ici, qui coûte trop de mana pour aller fighter. Si tu bêtes, il fait plus rien. Ouais, mais ça nécessite... Un mana. Oui, juste pour fight, quoi. Ouais, mais tes bêtes sont plus grosses, normalement, donc... Ouais. Juste un mana, tu tues une bête, ça a l'air value. Tu peux virer 2 Crawl et Gem Razor, c'est bien. Bah, ça pète ses serpents. Gratuit, quand même. Ouais. Genre, on sait qu'il joue 4 serpents, des Great Henge, ouais. Ouais, c'est cool. C'est cool. Peut-être qu'on va juste enlever tous les crawls et jouer en mode défensif, mais... Ouais. En fait, avoir autant d'interactions sur le play, c'est quand même un aveu de faiblesse. C'est ça que je me demande. Ouais, j'aurais peut-être sorti les Great Henge carrément. Mais c'est peut-être une erreur. Bah ouais, dans ce... En rentrant les interactions, tu les joues contre... Tu les... Ah. Ah, Mulligan. Sinon, tu les mets dans... Contre quel deck, c'est Great Henge. Bon, ça, on va garder, je pense. Et on va bottom à Londres. Ouais. Contre les decks contrôle. Contrôle mid. Bah, contre banque, tu veux passer en dessous, tu veux pas essayer de le grind. Hein. On va d'abord Love Truck d'ailleurs. Non, je crois pas. Hein. Je crois que justement c'est... mieux pas le collector si j'ai trouvé Markite Troll. Ah, bien joué. Markite Troll quand même. Ça se réfléchit, hein. C'est pas dit, parce qu'on peut faire Pelt et Love Truck le tour d'après. Bah ouais, tu mettras 2 alors que là tu mets 3. Ouais, mais j'aurais perdu un pump. Est-ce qu'un pump sur le reste de la game, c'est pas plus important? Il te le tue avec géant là. Ok, d'accord. Je pense que c'est mieux Market Troll. Ouais, non, justement, contre les decks mid-ramp, les decks contrôle et tout, tu peux pas essayer de passer au-dessus et grinder à Great Henge. En plus, ça prend Elspeth Concardes. Mm. Tu veux passer en tout, justement, faire des sorties à base de Serpent et de Gem Riser. Là, tu peux. On peut le 3 fight. Points et Love Struck. Oui, voilà, on peut aller le fight, mais je crois que c'est plutôt à nous attaquer. Ouais. Tu pourras tuer une meilleure bête ou au pire le tuer le tour d'après. Faut développer vraiment là notre. Ouais. Comme on commence notre board. Le board. Monsieur le board. C'est un nom de famille ça, le board. Je suis sûr qu'il y a des gens qui s'appellent comme ça et qui nous regardent. Il y a un mec dans Camelot qui s'appelle Bort. C'est pas board mais ça ressemble. Oh putain, là on peut mettre des points. Hein. Putain, Primal Might. Je fais fight. C'est 3, c'est. Tu perds ta bête, tu prends 8, 9, 10, 11, 12. Ah, c'est solide. Hein. C'est bien ça. Ah, on va y aller, je crois. Ah oui, vas-y. Donc c'est sur Love Struck Beast. Target créature, hein, gain +X+X. Ok. Et ça tue ça. C'est rigolo ça, hein, en vrai. Autopay. Est-ce qu'il y a une animation de dinosaure, j'espère. Croisons les doigts. Oui, c'est vrai que c'est le genre de carte qu'il pourrait animer, quoi. Oh, dommage. On s'est fait rect de ouf, quoi. On a grid, il aurait fallu mettre sur Market Troll. Ouais, mais on avait peur qu'il puisse avoir une interaction qui mettait 3, et... mais ouais, non. Dommage. Fuck! Fuck! Bon, on va ramfrou ici. Ouais. No blocks. Oh, merde, hein. Ouh, ouais, tu vas mettre Pelt, par contre, quand même. Ouais. Donc là, on fait ramfrou. Ouais. Target créature, donc dommage. Que ça, ça tue sa bête, il prend 1. Non, on piétine pas. Mais Pelt, comme ça tu peux attaquer. Ouais. Non, on piétine pas avec la Love Struck Beast. Putain, il nous a mis un mal quand même. Hein. Ouais, ça va après. On a le board, il est à 5, on a encore une non, bête. Mais on aurait pu gagner quoi. On lui aurait mis 3 de plus, donc il sera 2. C'est plutôt pas mal. Et là, tu joues. Ramfrou. Ça a l'air bien. Hein. Ouais, j'allais dire Barkite Troll, ça buff Pelt, mais du coup tu peux plus attaquer avec Love Struck Beast. Ça a l'air bien de top decker toutes nos interactions. Solide. Et du coup c'était bien, même sur le play. Ouais. Pour le coup c'est bien passé, mais tu vois, tu peux avoir des mains où t'as tes interactions, mais pas de Love Struck Beast pour sniper tout le monde quoi. Ouais.
C'est ça un peu qui est dommage. Je pense qu'elle est bien là, la main comme ça. Je me demande si Vivienne, vu qu'on commence pas là, c'est bien. La Vivienne, c'est encore des interactions. Hein. Lui, c'est vraiment, il faut qu'il y ait des créatures pour faire les trucs. Ouais, non, je pense qu'on est bien dans ce spot. Let's go. Let's go. Oh, ruse. Oh, ruse. Shrine blanc. Meilleure carte de Magic, le Shrine blanc. Bon, c'est bien ça. Ouais. Je fais Love Struck, t'as des grosses bêtes. Pas interaction, mais bon. On a des grosses bêtes. Ça, c'est important. Ah! Un land tapé. Mais il l'a au tour 1, donc il est très très bon. Gemraiser, ok. Ça, c'est bien. Ça va pouvoir aller péter un serpent. Ça va être plutôt Il faut quali. avoir une créature 1-1, c'est pas forcément un humain, avec le Love Struck Beast. Il faut avoir un 1-1, ouais. Ouais. Ok, lui, il a une sortie. Lui, il a une sortie. Pas d'attaque. Bah ouais, hein. Ça dépend de son tour 3, mais si c'est Love Struck Beast, ça va. On va répondre avec Avec la nôtre. la nôtre. La nôtre. On en a deux, donc c'est bien. Ouais. Après, là, il fait montagne, on a perdu. Enfin, montagne, Umbercliff, Ouais, de toute façon, c'est son plan de jeu, quoi. pardon. Ouais, GG. Ah, il a pas. Ça va. Ça, aucun problème, on trade. Ah, la double interaction, ça fait très très mal, on prend 8. On va Questing Beast ici. Ouais, Prendre Questing un Beast comme ça, on trade. peut bloquer. Ou alors Love Struck, on fait token et 5-5. On pourra au moins chop la 5-5 avec notre token. Si jamais il a une autre interaction, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ouais, peut-être que c'est un peu plus sécur, ouais, dans ce cas-là. Ok. On pouvait Yorvo, token. Yorvo était 5-5. Et on avait encore Love Struck Beast. Ouais, Je sais pas, ça change grand-chose. non. Il n'y a pas encore Murkrive. Voilà, on trade. Hein. C'est pas perdu. Ouais, Pas peut-être perdu. que... Je peux faire un 6-6. C'est bien. Ça a l'air solide, Il hein. le tue que mal. Il le tue que très mal. On le fait, hein. Ouais, c'est le meilleur truc là. Peut-être vu que tu peux faire qu'un seul play, faire la plus grosse bête normalement. Je Parce que pense là, que c'est si tu bien. faisais Questing Beast attaque, il allait sûrement Après, bloquer. si on prend Gemraiser, là, le mec Et je s'envole, suis tu pas vois. sûr qu'il le joue. Normalement, non, c'est quand même compliqué, double vert, mais. Les mecs sont puissants, quand même. Ça, c'est un Murkrill. Ouais, Amber Cleave, du coup, le mieux c'est de bloquer Bone Crusher, comme ça on va quand même le tuer. Et tu peux tuer le token en fait, hein, parce que ça piétine le 4-4. Ouais, et Ah, mais s'il met non! Umbercleave Ah non, en là-dessus. fait, on l'a perdu. Pourquoi? Bah, il va Amber Cleave pelt et on va mourir, on prend 10. Ah putain. Et là, on n'a aucune façon Aucun de survivre. échappatoire. Ah mais oui, c'est vrai que c'est ça donne piétinement Bon, donc bah, GG. ouais. Ah, il l'a pas! Incroyable! Pourquoi il fait ça? Mais incroyable! Mais pourquoi il fait ça? Mais qui est-il? Château Garambrig. Alors Tu vas attends. me Questing Beast et me rame trou. Attends, je vais payer d'abord pour avoir mes 6 mana. Non, 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 Ah mais non, sinon parce tu que pourras tu pas peux rame trou. pas Ramfro. Quoi, Questing Beast, Ramfro, t'as raison. Ça a Ouais. l'air bien. Et du coup, tu Ramfro le rame stun call trou le pour lui mettre Stone les points. Call sur le 4-4. Ouais. On est d'accord. Putain, il a pas sa. Prends 2. Bon, ça devient 3-3, mais on s'en fout. Ça, on en a rien à foutre. T'attaques avec ça. Attends, si la Umbercleave, on perd sur le Et il peut comeback pas si on attaque avec la. tout. Hein. Non, t'attaques avec Questing Beast. Sa vigilance. Ouais, mais si jamais on garde Questing Beast. Ah, mais. En fait, j'attaque aussi avec le stun call, je garde Questing Beast en bloc. Est-ce qu'on est mort sur. Sur Murkrive. Non, on prend 4. On prend 4, mais il a une carte en main. Donc si c'est genre je te mets 2 et j'ai Murkrive, on l'a perdu. Je pense qu'il faut prendre des plays agressifs là en le tuant deux tours. Vas-y. Tu penses qu'il faut pas attaquer au stun call toi? Le play safe, c'est de pas attaquer au Stone Coil, mais on peut. Enfin, genre le risque est contenu. Il a eu déjà beaucoup d'interactions. Je pense que tu peux, ouais. Je pense qu'on va prendre le risque. Dites-nous dans les commentaires ce qu'on doit faire en attendant. Je pense qu'on va prendre le risque. Je comptais quand même qu'il ait pas 6 mana pour descendre Umbercleave en réponse, ça nous aurait mis trop mal, mais ça va. Ah, t'aurais attaqué qu'au Stone Coil du coup. Parce que t'aurais trade. Ok, Questing QB c'est ok. Beast. Là, du coup, Questing Beast et 2 points nous tuent. Mais les a-t-il? Ouais, faut qu'il ait un bon crusher derrière, quoi. Alors, est-ce que Gemraiser le tue? Si on fait Gemraiser là-dessus, on a un 10-10 piétinement. Si on attaque avec tout, il est obligé de Il va prendre bloquer comme 6 et ça. bloquer l'autre. Ou alors qu'il double bloque. Ah non, il double bloque, il prend 4 et 2. Si, c'est bon, normalement c'est létal.
Il prend 4 et 2 comme ça, ouais, c'est obligé. Normalement, c'est bon. Et on a encore Yorvo. Quel plaisir. Coble. Faut que je le mette sur le stun coin, d'accord. Ouais. Ah, si on costume beast, c'est que je le mette over. 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 It's over. Phase d'attaque avec tout. Suffira pas, gros. Ouais. Tout pile. Non, alors c'est tout pile. Ouh, excellent. Ben, c'est compliqué, hein. Genre, ouais. Après, c'est pas nous. On, je te dis, là, Ambercleave, sur les 3-4 tours qui ont passé, a perdu. C'était très dur. Après, nous, on pourrait avoir des Gretenge. On pourrait avoir ni Kyoshin, ni Vivienne, ni Gretenge. Voilà. Donc, mais franchement, Gretenge, je sais pas si dans le match-up, genre suivant alors, play ou draw, alors, il faut vraiment fait, les garder. Pour avoir beaucoup joué les decks Bant et compagnie, en fait, si tu Gretenge pas, ce deck-là, si tu Gretenge pas contre les autres decks aggro, tu Gretenge jamais. Il faut pas jouer la carte. Ah ouais, contre c'est Bant, vraiment contre deck aggro. C'est exécrable contre Bant le problème. Parce non, que, peut-être pas Bant, mais je pense c'est contrôle, tu vois. Bah, c'est-à-dire que je pense que ces decks-là, au contraire, ils veulent te prendre de vitesse, tu vois. Ils veulent te bourrer vite et fort et bien. Mmh. Ouais. Et Gretenge, c'est pas dans le plan, quoi. Tous les contrôles, ils jouent Elspeth Conquerdes. Et Gretenge, c'est ça match tellement mal une carte comme ça. Ouais, ouais. Je pense que justement, c'est dans ces matchs-là moi, qu'il faut le jouer. Ça. Franchement, on en refait une, hein. Vas-y, vas-y. En fait, je trouvais que dans le match-up Grull, en tout cas, t'as envie d'avoir des interactions pour tuer ces bêtes. Ah, complètement. Et du coup, tes interactions passent par tes créatures. Ouais. Pour le faire et enlever des créatures et mettre Gretenge, tu vois. C'était un peu anti-synergique, tu vois. Alors que enlever les Gretenge pour avoir des bêtes et des interactions, ça t'assurait un peu plus de pouvoir répondre à ce qu'ils faisaient. Je suis d'accord, mais donc des peut-être fois. Peut-être qu'il y a un côté play draw où du coup, tu vas tous les mettre sur le play. Ah, peut-être. Et en enlever sur la draw, tu vois. Peut-être. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes des fans de Rint et de Mono Vert. Je crois que c'est gardé. Quand tu connais pas ton adversaire, tu sais que t'as 3 bêtes. Qu'une sortie aggro. C'est moyen, mais c'est gardable. Ouais, c'est moyen gardable, exactement. Il y a Garambrig, si jamais on pioche un serpent, qui pourrait être sympa. Mmh. Garambrig, du coup, les 4 Garambrig qui sont vraiment là pour le serpent, en fait. Hein. Mmh. Oh 4, c'est. Oh, bah Vivienne, ça, très c'est bien. Super bien. On est sur le play, donc elle va vraiment faire du taf. Barkai pour aller mettre des points. Et pour passer les interactions à 2 de géant Krakos. Ouais, les Krakos. Il est bien ce Barkai Troll. Barkai. Ouais, ça prend ça par contre. Il prend Dragonfire, mais c'est pas très grave. Et c'est exilé, sinon on aurait pu faire Ooze et on exile notre propre bête pour faire grossir. Mais... Je crois que du coup. Ouais, c'est encore ça. Hein. Attends, cela dit. Ah ouais, mais non, il n'y a pas de bête. J'allais dire, on peut la faire grossir en réponse à un. Et non. Un bon crusher, mais non, on pourra pas. Ah, on peut pas. Là, s'il la gère pas, on peut faire Vivienne marqueur et. Oh. Ou en faire mieux, faire Vivienne. Vivienne fight et let's go. Non, c'est t'inflige la force, je crois. Ouais, t'inflige la force. Ouais, c'est parfait. Je dis fight, mais. Ah ouais, c'est cogné, quoi. Ouais, ouais, on va le cogner fort, quoi. Ah, ça, c'est... Vivienne sur le play, c'est une des. Ouais. Une des, un des plays du standard qui est le plus vénère, moi, je trouve. Là-dessus, ça dégage. Tue sa bête, on lui met 3. Il a l'air de jouer notre version de Jeskai Spell avec Vadrock. Alors Vivienne, elle va pas faire long feu à mon avis. S'il joue la version avec les Chocs et Dragonfire. Ça nécessite, ouais, Choc ou Dragonfire. Hein. Mais tu vois. Ouh. Tu vois, on n'est pas si mal. En plus, avec Scavenging Ooze, ces Vadrock vont pas faire grand-chose. Oh, mais non, Garambrig. Effectivement, on peut faire un 6-6 en plus. 6-6, tu mets 2 marqueurs sur ton Barkai Troll et go. Hein. Je pense qu'on va d'abord mettre 2 marqueurs bourre et on voit ce qui se passe après. Ouais. Ouais. Il va certainement faire de la value lui en mutant quelque chose sur son Vadrock, mais. Sans cag. Ouais, mais qu'est-ce qu'il pourrait muter sur Vadrock qui l'empêche de passer autour de passer, enfin, qui lui permet de passer au-dessus de Stone Cold Serpent. Et en vrai, qu'est-ce qu'il a à reprendre? Scorching? Il peut scorcher que ça. Pour quoi. Vivienne, ouais. Non, mais c'est ça. Ou alors il va boons notre Stone Cold pour aller tuer Vivienne. C'est plutôt le play là qu'il va faire. Et ben, enfin, qu'il risque de faire. Fais ton play. En tout cas, si c'est pas ça son play, il va être assez mal. Ah ben, Reach, protection du multicolore. Genre Vadrock, c'est typiquement la cible. Ah, il a tout. Mais ce Stone Cold Serpent, il disrupte l'entièreté du game. C'est vraiment. La carte a mis du temps à être jouée. Maintenant, elle est dans tous les decks. Mais vraiment tous les decks. Je trouvais la carte intéressante quand elle avait été spoil. Mais ça s'insérait un peu dans rien. En fait, on voyait pas donc, autant d'applications. Là, c'est un port qui prend pas le Spet Concardes, qui dit non à Teferi, qui bloque les volants. Enfin, en fait, elle n'a pris que du galon au fur et à mesure que le standard a évolué. Oh, le Boons.
Le Boons faible. Ouais. Est-ce qu'il peut pas Boons, c'est ça. Faiblerie. Quelle puissance. Quel plaisir. Quelle malveillance. Je me sens malveillant. Ouais, je pense que cette liste est malveillante. Est-ce qu'il l'a vu après, qu'il pouvait pas Boons le serpent? Il s'est dit, bah je Boons et je tue. Non. Il a fait moins 3, il pouvait pas voir, enfin pas cibler, il a fait... Oh, fuck. Merde. Oh lolo. Joue-moi cette Questing Beast. Je crois qu'on va jouer cette Questing Beast. Alors, ouais. Si tu fais 6... Non, il te manque un mana pour faire... Attends, parce que je peux mettre des... Des petits trucs, là. Bah, mets donc des petits marqueurs, hein. Attends, si je mets un marqueur là, et que je full face, il se passe quoi? 7, 4, il éponge 3, 5, on lui met 8, quand même, hein. Alors, si jamais il bloque. Et on l'oblige à bloquer. Il va bloquer... Je pense qu'il faut mettre plutôt les deux marqueurs sur Questing Beast. Parce que c'est la seule qui peut bloquer. Et il peut la bloquer avec Vadrock, cela dit. Parce que... Et ouais, mais tu mettras plus de points, du coup. Ouais, ouais. Bon, écoute, on va pas s'emmerder. Tu as bien raison. Je pense que c'est ça, parce qu'en fait, je sais pas si tu vas attaquer avec ton Stone Coil. Oh, je pense que si, parce que... Ouais, ouais, on s'en cacte. En fait, ce qui se passe, c'est que là, s'il décide de pas bloquer, il est mort. Et si jamais il décide de bloquer, il est à 4, il a plus de board. Ou alors, il a 15 Stone Coil. Oh, vas-y, full face. Je pense que là, faut aller full, hein. Pas s'emmerder. Ah, en plus, ah mais non, mais tu donnes le piet à ta Questing Beast, donc tu vas pouvoir mettre un point et tout le reste. Ah bah, donc c'est bon. Et là, il est à 1. Et tu mets Barkhide Troll. Enfin, tu tues TF et Barkhide Troll. Et là, connaissant le jeu qu'il a, le jeu ah, qu'il il gère joue, pas les boards. Ouais, il va, passe ses boards-là. Il gère pas ce board-là, surtout. Là, ce qu'il peut faire, c'est mettre 3 points à Vivienne, muter, prendre Scorching Iron Fire, tuer Barkhide Troll, mettre une autre bête pour bloquer, mais... Non, c'est pas assez bien. En fait, quand tu joues Izzet Spell ou Jeskai Spell et que tu tombes sur mono vert, la clé de la réussite, c'est les contres. C'est pas, ouais. C'est pas tes spells de... Et le problème, c'est que jouer trop de spells, si tu joues la version prouesse qui veut mettre des points, bah, si t'as trop de contres, t'as pas assez de sorts proactifs pour aller mettre les dégâts. Donc à part les Lofty Denial, qui sont des super contres, hein, Lofty. Tu joues pas d'autres cartes, quoi. Enfin, t'en joues pas d'autres, quoi. Il n'y a aucune autre carte que ces contres-là dans le deck. Bah, t'as aucun c'est autre que des Lofty Denial. 60. 60 un pack de Denial. Tu sais que la carte va être jouée dans Spirit en pionnière. Genre fort. Bah. Solidement. Ça a l'air fort. Bien. Il y a écrit dans Spirit, il y a vraiment écrit pour 2 contre Garmin qui paye 4. Fuite de mana plus 1. Ouais, complet. En cool. Contre lui. Bah, il joue des serpents aussi. Why not? Ah bon? Bah, il vient de nous jouer un serpent en face. Ah oui, oui j'ai même pas fait gaffe. C'est un bon support à Mutate que tu peux placer dans la curve quand tu joues. Shifting Ceratops, ça a l'air bien contre lui. Ah, Shifting, c'est bien, ouais. Ah bah, du coup, non, on va pas jouer les Gem Razor alors. Garouk, ça a alors, pas l'air. Là, on est sur la drone, non. Garouk, incroyable. C'est pas très bien. Gritenge non plus. Je suis enlevé une vie. Pas celui du side. Bah, c'est probable que celui-là non plus, on en ait pas besoin. Pour le coup. C'est peut-être trop. Parce long. Que là, il y aura pas une espèce de guerre de board où dès qu'il y en a un qui va trouver son. Ouais. Son O-Drop va gagner, je pense que si on a le board aux ailes du Gritenge. J'entrerai bien un sort de gestion par Miram True ou Primal Might. Ouais. Primal Might est plus facile à caler parce que c'est comme un laver. Mm-hmm. Et les dégâts supplémentaires de Ram True, on n'aura pas besoin contre lui normalement. Et en plus, ça peut faire pump spell dégueu, tu vois. Ouais, mais c'est ça, pas instant. Ça va être brillant ça. Ouais. Soit, en fait. Ou si tu peux virer les 3. Bah, c'est pas mal quand il va muter un Vadrock pour pas qu'il refasse de la magie, mais est-ce qu'il aura le loisir de faire ça dans cette guerre? Ah, c'est peut-être pas si mal. Ouais, après, où ça prend tout, quoi. Choc. Love Struck, c'est à peu près mauvais, vu qu'il passe que dans les... Ah, je virais plutôt Yorvo, moi, avant Love Struck. Hein. En plus, c'est légendaire. Oui, c'est pas idiot. Je verrais plutôt Yorvo. Et on préfère quoi, l'instantanéité de Ramtru? Ouais, ou je le... pense. Dans un deck spell comme ça, qui... Ouais, il faut pouvoir répondre, voilà, en fait. Voilà, qui ouais. va être un peu fenêtré... Tu veux pas les 3 si il a peu de bêtes, le, je trouve que Yorvo, mettre ouais. un peu d'interaction dans un deck, ouais, contre un deck qui a peu de bêtes, c'est vraiment. Du coup, j'enlèverais bien une beast parce que sinon on va avoir une. On est déjà 60. Ouais, mais on peut remettre des trucs, tu vois, on peut mettre une interaction de plus. Ouais, bah comme ça, c'est ok. Ouais. Parce qu'après, j'ai pas envie d'avoir une curve à 4 qui est trop. Bon, j'aime Razor contre pas, quoi. Mais ouais. En vrai, ce deck, il est. Vous voyez pourquoi il est intéressant? Parce que c'est difficile de sider, parce qu'il y a vraiment plein de possibilités, et c'est pour ça que ce deck est fort, quoi. C'est pas juste un mono vert un peu bébête, c'est un vrai deck qui a un plan de jeu, quoi. Keep. Qui a plusieurs plans de jeu, qui peut s'adapter, qui répond à la fois à aggro et à contrôle. Très impressionnant ce mono vert. Il a deux téléphones. Il est vraiment. Allo aggro, allo contrôle. Très 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 impressionnant. Il faisait Drake. Ouais.
Ah, c'est de là que c'est venu. Drake, en fait, il jouait contre Agro et contre Control, il avait les réponses. Il s'est dit. Tu vois, il a fait de plus en plus vite comme ça, comme une machine. Putain, c'est stylé, quoi. Et il a débloqué quelque chose, quoi. Il a appelé un promoteur, il a dit on tourne un clip maintenant. J'ai une musique. Et enfin, j'ai une parole que je vais mettre en boucle pendant 3 minutes. Ah, bah c'est marrant ça. Ah, c'est drôle ça. Bah alors, le drôle. Bah, Ouz. Ouais, bah ouais. Il a des interactions. Ouz tous sous le Bombay. Lui-même, le génie. Lui-même. Voilà. J'ai eu des tocs. Vous avez des tocs aussi? Moi, c'est celui-là. Sur le bord. Tu veux être pile au milieu? Ouais. Ouais, moi aussi. Voilà. T'étais vachement bien au milieu. Ouais, j'étais pas mal. Ça m'a satisfait quand t'as cliqué, que j'ai vu le petit. Mais t'as vu, quand ceux qui essayent de faire ça, ceux qui essaient de faire ça et qui sont pas au milieu, pas satisfaisant du tout. Mais qu'est-ce qu'il joue? Il a changé de deck en fait. Ouais, il s'est dit, ils vont penser que j'ai Vadrock avec des spells. Alors que pas du tout. Je vais leur mettre à l'envers complet, quoi. Qu'est-ce que tu fais quand. Bah, deux points. Dans ce point. C'est pas un dinosaure ça? Baby Godzilla. Oh, putain, comme il est deg. C'est pas un dinosaure, du coup ça l'a pas pumpé. Enfin, il est deg, ça va. Ouais, je crois qu'il avait un autre plan, mais. Il y a pire hein, dans la vie, mais. On va faire un stun call à 3, je crois. Hein. Ouais, voilà, t'as une belle curve. Hein. Mm. Merci. Ouais, il va muter son. Elle est sympa, ma belle curve. Curve. Tu vas voir ma grosse curve. Vous avez vu la taille de ma curve? Waouh! Putain, il y a une belle curve lui. Elle est lisse. Elle a une belle forme. Elle est en cloche. Ouais. Bizarre. Une curve en cloche, comme le Covid. C'est vrai, hein? Aplatir la cloche, le but. Put on top, non. Alors on va decline. Parce qu'on joue en anglais, du coup on parle en anglais. Tu veux? J'ai parlé en anglais sur un de mes streams. Non, moi je veux pas, je suis dans la merde. Ah oui, je t'avais pas dit ça. T'as fait tout un stream en anglais? Non, il y a un mec qui est venu qui s'appelait Life is a Bad Mulligan. Okay. Et il m'a posé une question sur Tormod Script ou la lanterne. Ouais. Sous le guide de lanterne. Et il m'a demandé laquelle, quoi. Et du coup, je lui ai dit est-ce que tu parles français? Il m'a dit non, mais je peux essayer. Donc je lui ai dit bon, ben non, ben, je vais parler en anglais. Donc je lui ai répondu en anglais. Il a dit waouh, tu vois, il était en mode putain, il m'a répondu en anglais. Putain, du coup, je me sub. Un français qui sait parler anglais, quoi. Et il s'est sub. Oh, le boss. Le mec, c'est le boss. Ah, c'est toi aussi le boss de lui avoir répondu en anglais. Parce que moi, il serait pas sub. Ouais, t'aurais moi, fait, il serait parti ailleurs. Maybe you want to exile le cimetière of the opponent. It is difficult. Oui. Non, moi, j'aurais juste répondu lanterne. Oui. Il a la réponse. Tu ouvres le jeu, tu dis ça good, ça pas good. I take the lanterne. Alors là, on peut raser son board. Je lui fais une petite coupe là au Vadrock ou pas? Je peux aussi faire Vivienne. Ça fait quoi exactement, crawl? Ça va se fighter, donc on perd notre. Ah bah non, Vivienne. Donc, Vivienne moins 3. Vivienne solide. Par contre, Vivienne moins 3. Attends, mais tu peux faire Ram True sinon? Je peux faire Ram True plus crawl. Je peux faire crawl, je tue Vadrock, Ram True, je tue Baby Godzilla, je te mets 3. C'est pas mal. Et derrière, on a une Vivienne solide. Ça. Oh, elle fait ça. Ouais, on est prêt. Hein. Attends, d'abord crawl du coup, comme ça on se trompe pas. Attends, est-ce que tu peux pas répondre en faisant quelque chose? Non, dans tous les cas. En fait, je peux pas aller cibler Baby Godzilla avec ce crawl, donc. Je suis obligé si je veux fight Vadrock. Je peux faire si ça. Si je veux clean son board. Ram True sur crawl, Baby Godzilla. Ah ouais, mais tu mets pas les points, non, ça sert à rien en fait. Non, on peut pas. Je cherchais un tu moyen cherchais de fixe. Le. Mais t'as raison, il faut se poser les questions. Mm. Faut se poser les bonnes questions. Okay, bon, là il est content. Okay. Ouais, bah du coup, tout son deck tombe à l'eau. C'est bien. Il y en a plus de cartes que lui en main. Et franchement, jouer ce deck, c'est le meilleur deck. Hein. Franchement, il est vraiment incroyable. Il est trop cool à jouer. Ouais, parce en fait, moi j'adore les monocolores où tu peux faire plein de choses différentes. Comme dirait Sasuke. Doshta. Sokoyalo. Allez, tue-moi ça là, ça dégage. Ouais. J'en veux pas dans mon paysage. Ah, moi les nuisibles là, avec les petites ailes. Ça dégage. Oui, tu la lis bien, oui. Je peux faire l'arrivée du moustique avec ce micro, c'est fou. Incredible deck. 2Z. 2Z. Mais je crois que je vais farmer le mythique avec, avec cette liste. 2Z. Et c'est cool. J'avais un petit sémic flash de mon cru et tout, rien à foutre. Mec, en ce moment, je sais pas si c'est la chaleur qui me fatigue ou si c'est les decks, mais quand on finit une game, comme ça, je suis en mode. Bon, tu es pentu. D'habitude, je suis un peu plus genre. Oh! Mais là, vraiment, ça me. Tu sais, ça me prend là. Ouais. Ça m'enlève quelque chose. Genre, tiens, t'auras plus de. Genre, de ça. Le mec, il joue des decks, ça l'éviscère. Ça me surine. Genre. Comme ça. Avec une griffe, tu vois. Là, ça me. Il se prend un coup de raptor, le mec. Tu sais, le doigt de pied proéminent comme ça. Il le pose. Quelle liste.
C'est beau, hein. Bah voilà, jouer ça sur le ladder, c'est une bonne liste. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu, commentaire, partagement comme d'habitude. N'hésitez pas à crafter ça, c'est une deck list budget, en plus il n'y a quasiment pas de rares ou de mythique. Lol. Faux. La mana base vous coûtera pas cher, pour ceux qui se demandent. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description. Si vous voulez nous voir en live sur Twitch et sur notre chaîne, ValpelMagicArenaFR dans la description également. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.